سبحان الله الحمد لله، لا اله الا الله. سبحان الله الحمد لله، لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On se retrouve pour le quatrième et dernier épisode de notre série, dans les pas du bien-aimé Sallallahu wa sallam. Alors on a vu jusqu'ici qu'il était indispensable de se référer à la Sunna pour notre pratique, mais aussi que les savants différenciaient ce que le prophète Sallallahu a fait en tant que messager qui nous transmet le message et ce qu'il a fait en tant qu'être humain, fils de son époque. Donc après avoir vu ce que n'était pas suivre la sunnah, on va voir aujourd'hui ce qu'est suivre la sunnah. Et suivre la sunnah, c'est tout d'abord adopter certains principes moraux. Alors on ne pourra pas faire la, le tour de la question aujourd'hui, tant la moralité du prophète sallallahu alayhi wa était éminente. Mais on va voir quelques exemples. Premièrement, l'humilité. Suivre la sunnah, c'est être humble. Lorsque la Mecque est devenue musulmane en l'an 8 de l'Égypte, après 21 ans d'affrontement avec les, les idolâtres mécois, le prophète alayhi wa sallam, entre dans la ville grand vainqueur, vainqueur sur toute la ligne. Il aurait pu faire comme beaucoup l'auraient fait, entrer plein d'orgueil, en profiter pour humilier ceux qui l'avaient combattu, opprimé, spolié, forcé à l'exil. Mais il n'en fit rien, au contraire. Lorsqu'il est entré dans la ville, sa tête était tellement baissée que son front était proche de toucher la selle de sa monture. Et à cette occasion, il a croisé un habitant de la Mecque qui tremblait de peur. Il tremblait de peur à l'idée que le prophète applique les règles de la guerre qui étaient en cours à l'époque. Alors le prophète est passé et lui a dit, il lui a dit « Calme-toi, je ne suis pas un roi. Je ne suis que le fils d'une femme de Quraysh qui mangeait de la viande séchée. » Suivre la sunnah, c'est être humble. Ensuite, le courage. Anas ibn Malik -anhu, nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam « Kana ashja'an nas » Il était le plus courageux des hommes. Ali ibn Abi Talib -anhu, rapporte euh, « Qad ra'aytuna yauma badrin »« Wa nahnu naludhu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam » Je nous ai vus le jour de la bataille de Badr. On se réfugiait derrière le prophète. Et il était le plus proche de nous de l'ennemi. Suivre la sunna, c'est être courageux face à l'adversité. Proclamer la vérité, quoi qu'il en coûte. Abu Sa'id al-Khudri nous rapporte que le messager d'Allah a dit La مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علم. Que la peur des gens n'empêche pas un homme de dire la vérité s'il la connaît. Il est rapporté également cette parole: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهه فقتله. Le maître des martyrs est حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، l'oncle du messager d'Allah. Et ensuite, un homme qui s'est levé face à un dirigeant injuste et il lui a ordonné et interdit certaines choses, alors il l'a tué. Suivre la Sunnah, c'est se lever pour la vérité contre le mensonge et l'injustice, quoi qu'il en coûte. Ensuite, vider son cœur de toute haine et de toute rancœur. Anas ibn Malik nous rapporte que le prophète alayhi wa sallam, lui a dit Ya abunaya, in an wa tumsiya fi qalbika Ô oh mon fils, si tu peux te lever le matin et te coucher le soir sans avoir la moindre haine envers qui que ce soit dans ton cœur, alors fais-le. Et cela fait partie de ma sunnah. Et quiconque fait revivre ma sunnah m'a aimé. Et qui m'a aimé sera avec moi dans le paradis. Suivre la sunnah, c'est vider son cœur de la haine envers les autres. Ensuite, réformer sa langue. Abu Huraira, Radhiyala Anhu, nous rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, ⁇ celui qui croit en Allah et dans le jour du jugement, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. ⁇ Et Abdullah ibn Amr nous dit, ⁇ ...le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas de nature... Grossière ni vulgaire, et il ne criait pas dans les marchés. La vulgarité, les obscénités, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister chez les croyants. Allah nous a donné la faculté de nous exprimer, et c'est une immense ni'mah. Va-t-on utiliser cette faculté pour dire des choses mal, alors que Allah nous dit La yawma idin na'im Vous serez interrogé ce jour-là sur les bienfaits. Suivre la sunnah, c'est préserver sa langue des mensonges, de la calomnie, de la médisance, des, des vulgarités et de tout autre méfait de la langue. Être honnête. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est passé devant un marchand d'orge. Alors, il a plongé sa main dans le sac d'orge et il a remarqué que les grains d'en dessous étaient humides alors que ceux d'au-dessus étaient secs. Alors, il dit au marchand, c'est quoi ça Qu'est-ce que c'est que ça alors le commerçant lui dit que c'est la pluie qui a atteint euh, les grains. Et le prophète alayhi wa sallam, lui dit, Pourquoi ne pas avoir mis les grains humides sur le dessus Comme ça les gens pourraient les voir. Celui qui triche n'est pas des nôtres. Suivre la sunnah, c'est être honnête dans notre relation avec les gens. Se contenter de ce que l'on a. Un jour le prophète alayhi wa sallam, est arrivé chez lui. Et il a demandé à son épouse Aïcha, anha, « Est-ce que vous avez quelque chose Vous avez entendu quelque chose à manger ?» Alors, elle lui a répondu que non. Il dit, « Alors, je jeûne. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « A réussi celui qui est musulman, qui a la subsistance qui lui est nécessaire et qu'Allah a rendu satisfait de ce qu'il a. » Suivre la sunna, c'est se satisfaire de ce que l'on a. Être très ambitieux concernant les récompenses de l'au-delà, mais dans ce bas monde, ne pas faire des biens matériels le but de notre vie. Être dans la modération et l'équilibre. Un jour des compagnons, trois compagnons, vinrent voir les épouses du prophète alayhi pour leur demander qu'est-ce qu'ils faisaient comme adoration chez lui. Et quand ils ont appris ce qu'ils faisaient, ils n'ont pas été très impressionnés. Et donc, ils se sont dit, oui, mais ça, c'est le messager d'Allah. Lui, ses erreurs passées et futures lui sont pardonnées. Alors, l'un d'eux a dit, moi, je gênerai tous les jours. Un autre, moi, je prierai toutes les nuits. Et un autre dit, moi, je ne me marierai pas pour s'adonner à l'adoration. Quand le messager a entendu cela, il a été en colère. Et il leur a dit, amawallahi, inni la lillahi lahu. asumu wa par Allah, je suis celui qui craint le plus Allah, et je suis le plus pieux d'entre vous. Mais moi, parfois je jeûne, parfois je mange, parfois je prie, parfois je dors, et j'ai des épouses. Celui qui se détourne de ma sunna n'est pas des miens. L'envoyé d'Allah a qualifié cet excès comme étant une façon de se détourner de la sunna. Suivre la sunna, c'est être dans la modération et l'équilibre et éviter les excès, même dans des choses aussi pures que des actes d'adoration. Prendre soin de sa famille. -ra anha, nous rapporte que le prophète alayhi wa sallam, a dit ⁇ Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec sa famille. Et je suis le meilleur avec ma famille. Aïcha, toujours nous raconte une fois, une femme est venue me rendre visite.

« Oh, Rasulallah, c'est une femme qui n'a pas de mari. Il jeûne le jour et il prie la nuit. C'est comme si elle n'était pas mariée. Alors, elle se néglige et elle se laisse aller. » Alors, le prophète, wasallam, a appelé Othman ibn et Il lui a dit, « Ya Othman, a an sunnati Oh, Othman, est-ce que tu, te, tu délaisses ma sunnah ?» Alors, Othman lui dit, « La wallahi ya Rasulallah, lakin sunnataka atlubu. » Il dit, « Non, au oh, messager d'Allah au contraire je ne demande qu'à suivre ta sunna alors le messager lui dit fa inni anamou wa usallu asoumu wa ufthiru wa ankeru anisah fatakilah yarothman fa innalilikilah alayke hakkar alors sache que je dors et je prie que je jeûne et je mange et j'ai des épouses crains allah yarothman ta famille a des droits sur toi le cousin et le gendre du Messager d'Allah (sallallahu alayhi wasallam, était certainement une des personnes qui le connaissaient le mieux, parce qu'il vécut dès son plus jeune âge dans la maison du Messager d'Allah (sallallahu alayhi wasallam, et qu'ensuite il l'a accompagné durant toute sa vie. Et il nous décrit certaines qualités du Prophète. Il nous dit il ne rendait jamais le mal par le mal, mais il pardonnait. Suivre la Sunna, c'est rendre le mal par le bien et pardonner. Il n'a jamais levé la main sur qui que ce soit ou quoi que ce soit en dehors du champ de bataille. Et il n'a jamais frappé une femme ou un domestique. Suivre la sunna, c'est éviter la violence. Lorsque les interdits d'Allah étaient transgressés, il se mettait en colère. Suivre la sunna, c'est être strict dans l'application des ordres d'Allah. Il ne se levait ni s'asseyait sans mentionner le nom d'Allah. Suivre la sunna, c'est mentionner le nom d'Allah le plus possible. Lorsqu'il avait le choix entre deux possibilités, il choisissait la plus facile. Suivre la sunnah, c'est être pragmatique. Mais c'est-à-dire quand il avait le choix entre deux choses juste autorisées et que l'une n'était pas meilleure que l'autre. Parce qu'évidemment, dans ce cas-là, il aurait choisi la meilleure. Mais sinon, si c'était deux choses équivalentes, alors il choisissait la plus facile. Lorsqu'il rentrait chez lui, alors c'était un être humain comme les autres. Il nettoyait ses vêtements, il trayait sa chèvre et s'occupait de ses affaires. Suivre la sunnah, c'est vivre simplement dans l'intimité. Lorsqu'il arrivait dans une réunion, il s'asseyait là où il trouvait de la place et il ordonnait que l'on fasse ainsi. Il n'aimait pas que quelqu'un se lève pour laisser, sa, pour laisser sa place. Et il donnait de l'importance à chaque personne présente. De telle sorte que chacun avait l'impression d'avoir été le plus honoré de tous par le prophète. Suivre la sunna, c'est ne mépriser personne et ne pas se sentir supérieur. Lorsqu'il s'entretenait avec quelqu'un dans le besoin, il ne mettait jamais fin à la discussion. Mais il attendait que son interlocuteur le fasse. Suivre la sunna, c'est être au service des gens qui sont dans le besoin. Lorsqu'on lui demandait quelque chose, s'il pouvait, il le donnait. S'il ne pouvait pas, il répondait par une parole douce. Personne n'avait un plus grand cœur que lui. Alayhi wa sallam. Personne n'était plus véridique dans ses paroles. Il était le plus doux des hommes et le plus noble. Voilà comment Ali ibn Abi Talib nous décrit le comportement du prophète alayhi wasallam. et voilà ce qu'est suivre la sunna voilà les qualités qu'il faut cultiver en nous si nous voulons pouvoir nous revendiquer comme étant des disciples de mohammed ibn abdillah alayhi wasallam, et prétendre suivre sa sunna alors c'est sûr c'est plus difficile que d'enfiler un cramis ou de laisser pousser la barbe mais c'est ça prétendre suivre le meilleur des hommes il nous faut pour cela réformer notre être le rendre conforme à ce que allah aime nous purifier des mauvais penchants de l'âme et essayer de se rapprocher de l'excellence de la moralité du dernier messager envoyé comme miséricorde pour les mondes. Voilà, nous arrivons au terme de notre série, en espérant qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est la sunna pour mieux la mettre en pratique dans votre vie. Car il n'y a qu'un seul chemin vers la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà, c'est en marchant dans les pas du bien-aimé. صلى الله عليه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين